et voici tout l'attirail pour construire un beau clocher. Des pierres trouées et un couvre-chef. À l'intérieur de ces pierres trouées se cachent une armature et de nombreux seaux de béton pour constituer de solides piliers. Et voici quatre jolis piliers pour nos trois futures jolies cloches. Après trois jours de haute voltige, secoués par des vents violents, le matériel et les hommes redescendent. Et pour finir, deux petites énigmes. Comment pensez-vous que notre première cloche sera fixée dans le clocher? Et pourquoi les ouvriers ont-ils fixé un drapeau en haut du clocher?